Elle même si azur qui ça oui, c'est on sert des verres qu'on capable de joindre dans 20 ti monde. Donc généralement on joigne plus dans ti monde qui dans en âge scolaire, c'est-à-dire ti monde qui l'école. OK? Mais qui ça oui, son groupe de verres et ou gagne parmi dans yo, ou gagne sacré les ascaris, ou gagne sacré les ankylostome, ou gagne sacré les ténia, ou gagne sacré les trichoa, trichouri. Donc c'est ensemble de verres ça yo. C'est eux-mêmes qui forment le groupe qui roule Elmentiaz là. Donc, qui sa enquête l'a révélé en termes de chiffres? Donc, en termes de chiffres, bon, faut que moi dis nous ça en tout, enquête ça n'est pas la première fois réalisée en Haïti. Nous avons environ 3 enquêtes déjà. Nous avons été réalisées en 2003, en 2013 et en 2019. Donc, enquête ça nous été réalisée pour nous avoir un impact yon projet. Un projet qui c'est un projet de déparasitage à travers des campagnes, à travers des sciences d'éducation et sensibilisation que nous comptons faire pour élèves l'école. Donc, nous avons besoin d'un impact pour projet ça gagne. Donc, en 2013, nous avons réalisé l'enquête ça déjà. Nous avons joué le résultat que la prévalence Elmentiaz était à 34,2. C'était en 2003, pardon. Et en 2013, nous avons réalisé l'autre encore. Nous avons joué la prévalence là à 22. Donc, en 2019, nous avons réalisé l'autre. Nous jouons une prévalence là à 14,5. Donc ça a montré que la prévalence Elmentiaz là diminue en Haïti. Donc il faut que le ministère de la Santé publique fait avec le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas en vain. Donc ça a porté résultat. Donc enquête ça, non réalisé sur le combien de temps de durée? Donc, enquête ça, nous avons réalisé en mars 2019. Mais nous avons fait période pour collecter données, c'est pendant une semaine. Nous avons collecté données, ça nous avons déployé plusieurs équipes dans tout département, à travers les 10 départements du pays. Nous avons déployé des équipes, enquêteurs, techniciens de laboratoire, pour collecter informations et pour collecter tout, échantillons sel, pour nous être capables de réaliser l'enquête. Ça. Okay. Donc, on tient monde qui vient vers un vente, qui ça a provoqué? Premièrement, on tient monde qui vient vers un vente qui a provoqué, on tient monde qui a gagné un vente fait mal. Que ça relève les douleurs abdominales en termes médicaux. Si vous avez une forte douleur abdominale, si vous avez une diarrhée, si vous avez tombé, il y a une anémie, et puis si vous avez même capable de tomber tout en malnutrition. Donc on a un verre, c'est parasite. Donc qui ça a fait dans un ventre, il y a nourri, c'est comme nous tous déjà qu'on est relève parasite, il y a nourri de sentiments. Donc si vous avez tombé en anémie, si vous avez tombé, fait malnutrition. Donc c'est ça qui fait tout. Il est important pour lutter contre vers dans votre cas petit monde parce que petit monde surtout petit monde qui en âge scolaire, c'est-à-dire que les petit monde n'a gain vers dans votre, ça vient diminuer faculté intellectuelle petit monde ça tout. Petit monde n'a vient pas capable apprendre l'école, petit monde tout vient pas absent l'école de temps en temps. Donc l'important pour une meilleure lutte contre Elmentiaz intestinal dans pays. Il y a des départements en fait ça t'a révélé qui gain forte prévalence. Oui, exactement. Il y a 3 départements que nous constatons une forte de prévalence et de Elmentiaz à travers l'enquête. C'est le département Grand-Anse, le département Nord-Ouest et le département Sud-Est. Le département Sayo a dépassé un seuil, a dépassé 20% de prévalence. 20% de prévalence, là, c'est le seuil que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, fixé depuis qu'il y a une région. Une localité qui dépasse ce seuil, ça, vous supposez faire chimioprophylaxie. C'est-à-dire vous supposez faire distribution de masse de albendazole, qui est un médicament contre le verre. En termes de recommandations? Donc, en termes de recommandations, nous demandons pour 3 départements, surtout Grand-Anse, Sud-Est et Nord-Ouest, pour gagner une campagne de déparasitage qui est faite. Et puis pour renforcer toute activité multisectorielle, c'est-à-dire et activité contre et pour un meilleur assainissement, activité pour promouvoir et de l'eau de consommation d'eau potable dans Kaiti Mounio, activité pour promouvoir tout hygiène personnelle dans Kaiti Mounio, nous capables de réduire à zéro et prévalence et le maintien intestinal dans le pays. Donc et pour enquête ça et nous avons gagné à disposition nous 3 500 000 goudes. Donc, l'enquête a été réalisée dans le ministère
santé publique, mais c'est à travers de deux directions. C'est direction d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche, et direction de la santé de la famille.